pour que j'aille au ciel. Je dois être bien disposé à vivre au ciel pour toujours. La bonne volonté vient après que nous ayons pris de l'âge. Quand nous sommes des enfants, on nous disait « Allez, fais ceci ou fais cela. » Et on le faisait. Mais ayant atteint l'âge de la maturité, l'âge de la raison, l'âge de la compréhension, l'âge pour prendre des décisions, alors notre volonté agit. Et là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ta bonne volonté. Est-ce que tu as été à l'école? Est-ce que tu as fini les études? Parce que tu as eu la volonté. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est parce que tu avais la bonne volonté. Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu restes? Demeure dans le Seigneur, c'est parce que tu as la volonté. Est-ce que tu es venu à cette retraite? Est-ce que tu restes jusqu'à la fin? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Parce que tu as la volonté. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu présentes des requêtes au Dieu Tout-Puissant? Parce que tu es à la bonne volonté. Est-ce que tu veux être un géant, un champion, un vainqueur dans le Seigneur? C'est parce que tu as la bonne volonté. Notre victoire, notre succès, notre progrès, notre prospérité et notre statut spirituel commence à cause de notre bonne volonté. Et ce soir, nous considérons notre bonne volonté pour la puissance de sa résurrection. Psaume 110, lisons le verset premier. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça c'est le Père, le Seigneur, disant à Christ, le Seigneur, le deuxième Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. C'est adressé à Christ comme résultat de la victoire de Christ après sa mort, après son ensevelissement. Après cela, il est ressuscité. Et après cela, il a fait la déclaration, la proclamation. Parce que je vis, tu vivras. Parce que j'ai vaincu, tu vas vaincre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout. Et pour cela, verset 3 maintenant, ton peuple, ceux qui sont devenus peuple de Dieu, après la repentance et la foi en Christ, ceux qui ont entendu parler du sang de l'agneau, qui ôte tous nos péchés, ceux qui ont entendu parler de sa résurrection, et nous sommes ressuscités avec lui, ceux qui ont entendu parler de la justification, la puissance qui vient comme résultat de la résurrection de Christ, et ils se connectent à cela, ils reçoivent cela, et ils croient en cela. Et le salut, la citoyenneté du royaume, leur est parvenue à cause de cette foi au Christ ressuscité. Ton peuple, le peuple qui marche dans le sentier de la justice, les pèlerins qui marchent sur le chemin resserré qui conduit au ciel, ton peuple sera plein d'ardeur quand tu rassembleras ton armée. Parce qu'il est ressuscité des morts, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit rempli de la puissance d'en haut. Le jour de sa puissance, il est assis maintenant à la droite de majesté en haut. Et parce qu'il est là-bas, il a envoyé le Saint-Esprit. La puissance est venue. Et idée, cette puissance du Saint-Esprit va demeurer avec son Église pour toujours. Maintenant, ton peuple est plein d'ardeur au jour de ta puissance. Dans les beautés de la sainteté.
avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. À cause de sa puissance, il y a le renouvellement. Le jour de sa puissance, à cause de la déclaration de sa puissance. Comme nous croyons à cela, et comme nous sommes connectés, attachés à cela, nous aurons la rosée et la fraîcheur de la jeunesse. Le Seigneur a juré, l'Éternel a juré, il ne se repentira point, il ne changera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Christ, notre souverain sacrificateur. Et il présente son sacrifice, son sang, là-bas, à la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour toi, pour moi, pour nous. À la droite. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il jugera parmi les païens, les nations. Il remplira les lieux des corps de ceux qui se rebellent contre lui. Pour ceux-là qui combattent, ce Seigneur est Dieu de gloire. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ceux qui viennent se connecter à Christ par la foi, et il les appelle ton peuple. Et il dit, ton peuple, le peuple de Dieu, verset 3, sera plein d'ardeur, aura la volonté au jour de ta puissance. Avec des ornements de sainteté, depuis l'aurore. Et il nous dit, tu aura la rosée de la jeunesse. Ce soir, nous considérons le message, notre bonne volonté pour sa puissance de résurrection. Notre volonté pour cette puissance de résurrection, pour toucher ta vie, pour transformer ta vie, pour transformer ta vie. Notre bonne volonté pour recevoir et avoir. Notre bonne volonté pour jouir le revêtement de la puissance d'en haut. Parce qu'il est ressuscité des morts. Notre bonne volonté pour ça, pour la puissance de sa résurrection. Il y a trois choses à considérer. Comme d'habitude, premièrement, le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Sa résurrection, ressuscité des morts, et la grande puissance, et la gloire, et la majesté attachée à cette résurrection est le commencement de notre espérance. Espérance de la vie, espérance pour l'éternité, espérance au présent, espérance dans l'avenir. Le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Deuxième point, la beauté de la sainteté dans la vie du peuple disposé de Dieu. Le caractère de criminel est ôté. Le caractère sale qui vient avec le péché et le caractère souillé qui vient avec le péché, cela est ôté. Et maintenant, nous avons, à cause de cette résurrection, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est monté au ciel, nous avons les beautés de la sainteté dans la vie du peuple disposé de Dieu. Troisième point, la percée d'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. S'il y a quelque chose que cette résurrection a accompli pour nous, s'il y a quelque chose que la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ
et l'ascension de Christ au ciel, s'il y a quelque chose que cela a fait pour nous, c'est que cela a ôté l'hypocrisie. Cela a ôté la prétention. Cela a ôté la cachette, parce que c'était la nature d'Adam après sa chute. Adam, où es-tu? Il n'a pas répondu à la question. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me cache. Est-ce que tu as mangé le fruit de que je t'ai défendu? Il n'a pas répondu à la question directement. La femme que tu m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Indirectement, ce n'est pas ma faute. Est-ce qu'il donnait des excuses? Yves, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? En réalité, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais, à cause de la mort de Christ, à cause de l'ensevelissement de Christ, à cause de la résurrection qui nous purifie, qui nous change, qui efface tous les traits de l'ancien Adam. Maintenant, l'honnêteté vient. À cause de cette résurrection, la percée d'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. Premier point, le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. En somme, 110. Lisons à partir du verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Le premier ennemi, c'est Satan. Et la prophétie est, Satan va mordre son talon, Genèse 3:15. Et Christ, la postérité de la femme, va écraser, va anéantir, cogner la tête de ce serpent, c'est-à-dire du diable. Ainsi que l'ennemi premier est le diable. L'ennemi numéro 2, les nations païennes, les dirigeants païens, les païens qui ont dit que Christ n'allait pas régner sur eux. Il amènera tous les ennemis à s'assujettir. Et quel que soit ton ennemi, parce que tu appartiens à Christ, il est devenu l'ennemi de Christ et tous ses ennemis seront assujettis même dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que moi, le Dieu Tout-Puissant, je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. La question que devons nous poser est, comment dit que cela se réfère à Christ? À Marc, chapitre 12, verset 35. Marc 12, verset 35. Afin que vous compreniez ce que nous avons lu en Psaume 110. Cela est applicable et c'était même destiné directement à Christ. Marc 12, verset 35. Jésus continua à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Comment les scribes disent-ils? Ceux qui sont des enseignants, des juifs, dans leur synagogue, dans leur temple. Et Christ, maintenant, allé dans ce temple, il a dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Voyez ceci, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David lui-même l'appelle Seigneur.
Il appelle Christ Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La foule qui allait à la synagogue, qui allait au temple, ils avaient entendu ces paroles de David, mais ils n'avaient jamais compris que la personne que David avait prophétisée à son sujet par l'inspiration et la vision du Saint-Esprit, que cette personne était même devant eux. Et quand Jésus-Christ a ouvert leur compréhension, ces choses étaient dites le concernant. La foule l'écoutait avec plaisir. Vous voyez ce que le Père a dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Quand est-ce que cela a eu lieu? Voyons Actes chapitre 2, verset 34. Actes chapitre 2, verset 34. David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, verset 35, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Il a cité encore, David ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hébreux 1. Verset 3. Hébreux 1. Parlant de Christ et l'image de sa personne, et qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Voyez ceci, Hébreux 1, 3. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Christ a fait la purification de nos péchés. S'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. C'est après la résurrection. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et il est ressuscité encore. Et il est ressuscité triomphalement. Après avoir donné des preuves infaillibles de sa résurrection à ses disciples, il fut mené au ciel. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après avoir versé son sang, payé le prix, fait le sacrifice lui-même pour ôter nos péchés. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Il n'est pas allé entrer dans leur synagogue et dans leur temple, après sa résurrection, pour apparaître en ces lieux qui sont faits de mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Il est ressuscité encore. Il est allé au ciel. Il est entré dans le ciel lui-même. Voyez ceci. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est ressuscité encore après avoir purifié nos péchés. Il est ressuscité encore après avoir accompli les exigences de la loi de Dieu. Et à cause de l'accomplissement de cette loi de Dieu, à cause de sa déclaration, tout est accompli. Et tout ce qui devait être fait pour faire le sacrifice et pour s'offrir lui-même pour notre salut, tout a été fait. Et quiconque maintenant peut se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ, le salut viendra. Et Christ est allé
en la présence de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous. Il dit au Père, cet homme, crois en moi. Et parce que j'étais son substitut sur la croix, je suis mort à sa place. Pardonne-le, pardonne-le, sauve-le, transforme sa vie. Il apparaît maintenant, comparaît maintenant à la présence de Dieu au ciel pour nous. Et cette personne vient pour la sanctification et se consacre sa vie au Seigneur. Seigneur, purge mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie-moi, rends-moi saint entièrement et dedans. Et Jésus a dit, Père, c'est pourquoi j'ai versé mon sang, pour que le sang de l'Alliance éternelle me sanctifie et le purifie. Sanctifie-le. Et ainsi, nous sommes sanctifiés. Quelqu'un vient au Seigneur et dit, je suis sauvé, je suis sanctifié, j'ai besoin du baptême, l'immersion, le revêtement de la puissance d'en haut. Et il est allé au ciel, debout là-bas pour nous, assis là-bas pour nous. Et il dit, Père, c'est pour ça que je suis venu ici-bas. J'ai fait tout ce qui doit être fait pour que cette promesse de la puissance soit accomplie, exauce-le. Et nous sommes exaucés, nous sommes remplis, immergés, revêtus de la puissance d'en haut. Il est entré au ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 12. En Hébreux chapitre 12, voyons le verset 1 et le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, rejetons tout fardeau. Ton âme était tellement importante à Christ, il est mort pour toi. Et il t'appelle, parce que je suis mort pour toi, tu peux venir. Et profitez donc de mon sacrifice, alors qu'aucun fardeau ne te maintienne en bas, qu'aucun fardeau ne te retienne. Tu dois mettre de côté, tout fardeau et le péché qui t'enveloppe si facilement. Un péché particulier, pour des gens particuliers, tu aurais remarqué dans ta vie que Satan ne s'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Satan ne te tente pas de ce qui ne t'intéresse pas. Mais quelque chose auquel tu penses, quelque chose que tu pratiques par le passé, quelque chose que dans ta chair, dans tes jours avant la conversion, c'était des choses que Satan utilisait pour te faire tomber. Toujours, toujours, toujours te faisant tomber. Et c'était des choses qui facilement t'enveloppaient. Et il dit maintenant que nous venons à Christ, tu dois les mettre de côté et nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards, voyez ceci, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Assis à la droite du trône de Dieu. Et j'ai dit, c'était là donc le commencement de l'espérance pour le peuple bien disposé de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 3, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, voyez ceci, voyez cela, nous a régénérés
pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Pour une espérance qui demeure. Pour une espérance de vie. Avec, de vivre avec Dieu pour toujours. Nous avons été régénérés, nés de nouveau. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pas cette résurrection. Maintenant, nous avons l'espérance. Pas cette résurrection. Maintenant, nous avons la justification. Maintenant, pas cette résurrection. Nous savons que rien ne pourra nous empêcher, si nous prenons la décision, rien ne pourra nous empêcher d'aller au ciel. Est-ce que j'ai entendu un amen? En Luc, au chapitre 1, les versets 74 et 75. Luc, chapitre 1, les versets 74 et 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tu as perdu ton amen là-bas. Rendons ça personnel. Quand tu lis la Bible, si tu lis la Bible comme si c'est pour nous tous, c'est vrai, mais tu n'auras aucun profit de là parce que tu penses que c'est pour nous tous. Mais quand tu sais que c'est pour moi, si j'étais le seul pécheur dans le monde, Christ allait toujours mourir sur la croix du calvaire. Si j'étais le seul pécheur à sauver, le seul pécheur à sortir de la fosse du péché pour amener au ciel, si j'étais le seul, Christ allait toujours mourir pour moi. Si tu es le seul pécheur à être sauvé, à être tiré de la fosse et du puits, et la fosse du péché, Christ allait toujours mourir pour toi. Ainsi donc, rends ça personnel. Verset 74. De me permettre, après que je serai délivré de la main de mes ennemis, de le servir. Dites-moi à haute voix, dites-le à haute voix, toutes tes craintes sont ôtées. La crainte de l'homme, ôtée de ta vie, crainte de ton passé, tout cela a été ôté de ta vie. Crainte de Satan, quand est-ce que Satan va me permettre de finir ma course? Il n'a plus de choix, Satan est paralysé. Oh, est-ce que les mauvais esprits vont me permettre de finir ma course? Ils n'ont pas de choix. Tous ces mauvais esprits, ils sont paralysés et rendus impotents au nom de Jésus. Verset 75. Verset 74. De me permettre, 74. De me permettre, après que je serai délivré de la main de mes ennemis, de le servir. De le servir sans crainte. La crainte n'est pas quelque chose avec laquelle on lutte. C'est pas quelque chose qu'on combat. La crainte n'est pas quelque chose pour lequel tu pleures. Laisse-moi tranquille, laisse-moi crainte, laisse-moi. Je ne veux pas avoir peur. Christ a vaincu toutes tes craintes au nom de Jésus. La crainte du passé, la crainte du présent, la crainte de l'avenir, le Seigneur a vaincu tout pour toi. La crainte de l'homme, la crainte d'une femme, la crainte de l'échec, le Seigneur a annulé, vaincu toute chose pour toi et tu mèneras ta vie victorieusement et de façon intrépide au nom de Jésus. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, pendant combien de temps? Dites-moi à haute voix, pendant combien de temps? Tous les jours
de notre vie. Je te pose certaines questions maintenant. Est-ce que tu peux être saint pendant une journée? J'ai dit, est-ce que tu peux être saint pendant une journée? Et pour 7 jours de la semaine, est-ce que tu peux être saint? Et en temps de difficultés, en temps de tentations, pendant les temps où les ennemis s'opposent à toi, pour que tu ne sois plus saint, est-ce que tu pourras toujours être saint? Pendant combien de jours? Pendant combien de jours planifies-tu être saint? Pendant tous les jours de ta vie. Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Revenons maintenant à Psaume 110. Psaume 110. Nous avons vu le premier point, le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Deuxième point maintenant, les beautés de la sainteté dans la vie du peuple disposé de Dieu. En Psaume 110, Psaume 110, et c'est dans le verset 3. Ton peuple sera disposé, plein d'ardeur, quand tu rassembleras ton armée. Je fais partie du peuple de Dieu. J'ai dit, je fais partie du peuple de Dieu. Je suis disposé. J'ai dit, je suis disposé. Quelqu'un là-bas, je suis disposé. Ton peuple sera disposé au jour de ta puissance. Avec les ornements sacrés dans les beautés de la sainteté, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Les beautés de la sainteté. Vous savez ce qu'il dit là? La sainteté a plusieurs côtés. Des côtés composés. Et ces côtés de la sainteté luisent comme un prisme d'un diamant. Et c'est si beau. C'est pourquoi il utilise au pluriel les beautés, les ornements de la sainteté dans nos vies. Pour que nous puissions nous rappeler tous les côtés, toutes les faces de cette beauté radieuse qui lui est aidée. Lorsque le peuple de Dieu est bien disposé, alors les beautés de la sainteté vont se manifester dans leur vie. Voyons les parties composées. Premièrement, c'est l'humilité devant Dieu. Et l'humilité est belle aux yeux de Dieu. En réalité, on nous dit dans les Écritures, il donne plus de grâce aux humbles, mais il rabaisse les hautains. Il les renvoie loin de lui. En Michée au chapitre 6, verset 8, Michée 6, 8, Michée 6, 8. Il t'a montré aux hommes ou aux femmes ce qui est bon. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, Michée 6, 8, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est la fondation de la sainteté, l'humilité. L'humilité qui nous amène à tenir et à dire nous ne sommes pas justes devant Dieu et nous allons à Dieu dans la prière. C'est l'humilité qui nous amène à confesser. « Oh Seigneur, voici ce que j'ai fait par le passé. Même si j'étais religieux, voici là où j'étais. Voici ce que ma vie a été. » C'est l'humilité qui nous amène à savoir que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seul Christ peut sauver. Et nous soumettons notre vie à Christ et nous sommes sauvés. C'est l'humilité qui nous amène à retourner encore et dire « Merci pour le salut. » Mais je vois encore quelque chose qui
qui fait la guerre à mes membres. Je vois encore quelque chose qui me fait tomber. L'ancienne nature adamique ne me laisse pas tranquille. Et nous nous consacrons et nous avons la sanctification comme expérience. Il t'a montré, homme, aux femmes, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Tu ne peux pas le faire sans être justifié. Et que tu aimes la miséricorde. La miséricorde que Dieu te présente. La miséricorde qui nous sauve. Alors tu dois manifester cette miséricorde aux autres. Et ensuite que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité devant Dieu. Le haut, c'est l'obéissance à sa parole. Obéissance à sa parole. Il n'y a rien aussi beau, il n'y a rien de si beau, de si gracieux, de si merveilleux, de si éternellement bon aux yeux de Dieu qu'un croyant qui marche en obéissance à la parole de Dieu à tout moment. Le Seigneur chérit cette obéissance. La désobéissance nous rend inacceptable aux yeux de Dieu, vilain aux yeux de Dieu. Il dit, je ne regarde pas l'apparence extérieure, l'expression extérieure, je regarde le cœur. Il cherche donc cette composante de la sainteté, l'obéissance à la parole. En 1 Samuel, au chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Je vous lis à partir du verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est l'une des évidences que tu es né de nouveau. Et quand tu es sanctifié, l'obéissance va plus profondément et plus est plus grande et plus large et plus grande. Et quel que soit ce que Dieu demande de toi, joyeusement et avec allégresse, tu obéis. Il y a la beauté dans l'obéissance. Dans la vie d'un enfant, d'un adulte, d'un membre, d'un ministre, dans la vie de tous ceux qui sont avec l'obéissance à la parole, à la voix de Dieu, cela nous rend beau, acceptable, précieux aux yeux de Dieu. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole, prêter oreille, vaut mieux que la graisse des brebis, des béliers. Elle, en anglais, vivre seulement par sa parole. Vivre seulement par sa parole. Ça, c'est la sainteté. Parce que tu avais des opinions par le passé. Et quand tu rejettes toutes ces opinions, et les idées personnelles, tu les mets de côté. Et tu dis maintenant, il y a une seule chose qui est importante pour moi maintenant. Et je veux vivre par cette seule chose, ce standard inchangeable de la parole de Dieu. Vivre seulement par sa parole. Matthieu, chapitre 4. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Quand tu prends la décision que tu ne vas pas écouter les paroles de la société, tu ne vas pas écouter et engager ta vie, et mener ta vie, et modeler ta vie selon les divertisseurs du pays. Tu ne vas pas modeler ta vie d'après tout ce que tu vois dans le pays. Seulement, une seule chose va te guider. Une seule chose va t'influencer. Une seule chose va t'intéresser. Et tu vas vivre seulement par la parole de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Et ça, c'est la beauté d'une telle décision, d'une telle détermination et d'une telle diligence
pour vivre par sa parole. Ça, c'est la composante de la sainteté. Et ça fait partie de l'une des beautés de la sainteté. Le « i » s'identifier à sa croix. S'identifier à sa croix. Sans la croix, Christ ne serait pas celui qu'il est, ce qu'il est devenu, le sauveur, le sacrifice, le substitut, notre berger et notre tout en tous. En Hébreux au chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. A souffert la croix. Sans cela, il n'allait pas accomplir la volonté du Père. A souffert la croix. Sans cela, il ne serait pas qualifié pour être notre sauveur. Il a souffert la croix. Mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu as une croix à porter, identifie-toi à sa croix. En Luc, au chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, et il dit à tous, nous tous qui sommes ici, nous sommes venus de foyers différents, nous sommes venus de localités différentes, et chacun a une croix particulière d'où il vient. Et cette croix peut être devant toi pour que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu, mais comme tu t'identifies à sa croix. Aidez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Haine, neutraliser les pensées négatives, cela vient à tout le monde. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Les pensées viendront. Est-ce qu'il faut continuer ou bien il faut m'arrêter? Les pensées vont venir. Est-ce que je peux aller de l'avant ou bien il faut que je fasse ma marche arrière, ralentir pour retourner? Les pensées vont venir à quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il faut toujours porter ce fardeau lourd ou bien il faut déposer ça? Et fuir. Les pensées peuvent venir. Mais, quand tu connais les pensées de Christ et les pensées de Dieu, et tu demeures dans les pensées de Dieu pour neutraliser les pensées d'une personne faible, d'un esprit faible, ça fait partie de la sainteté. Tu rejettes, tu renvoies, et tu abandonnes tes pensées et tu prends les pensées du Seigneur. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu penses souvent différemment de la manière dont Dieu pense. Quand il y a un problème, ta solution, ce à quoi tu penses, est différent de ce que Dieu pense. Et si chaque fois, tu neutralises ces pensées négatives par les pensées de Dieu, c'est là la sainteté, c'est ce qui t'amène à vivre dans la vie de sainteté. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que tu lis toujours toute pensée négative, toute pensée qui dit que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas le faire. Tu dois amener tout cela à être lié. Deuxième Corinthiens,
2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une composante de la sainteté. C'est beau. Eux, estimer sa parole, exalter sa parole. Ceci vient et te donne un conseil. Tu dis, je ferai simplement ce que le Seigneur a commandé. Tu exaltes la parole. Il y a un défi dans ta vie. Et les gens suggèrent ceci, et suggèrent cela, et suggèrent autre chose. Mais tu dis, mes frères, vous n'avez même pas encore vérifié ce que Dieu a dit dans sa parole. Comment je dois aborder cette affaire dans sa parole? Estimer sa parole. Exalter sa parole. En Job, au chapitre 23, verset 12. Job, chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Ça, c'est la sainteté. Tout ce que je veux faire, tout défi que j'ai, tout appel que je reçois, je vérifie toujours ses commandements. Et il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est beau. Aux yeux de Dieu. Ça fait partie des composantes de la beauté ou des beautés de la sainteté. Psaume 119. Psaume 119, verset 127. Psaume 119, verset 127. Dans le verset 127 dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, plus que l'argent, plus que les devises étrangères, plus que notre monnaie nationale, plus que de l'or fin. Verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. J'aurai toute voix de mensonge. Et j'aurai toute voix de mensonge. J'estime tes préceptes, tes commandements, ta parole concernant toutes choses. Je ne dis pas ça, c'est une petite chose. Je peux utiliser mon petit cerveau pour régler cela et faire ce que mon petit cerveau me dit de faire. Je ne consulte pas mes préférences. J'aime ça, j'aime ça. Et pour cela, je m'engage dans ceci, je m'engage dans cela. Je consulte la parole de Dieu. Et j'estime, j'exalte les préceptes de la parole de Dieu concernant toutes choses. L'humilité devant Dieu, l'obéissance à sa parole, vivre seulement par sa parole, s'identifier à sa croix, neutraliser les pensées négatives, estimer sa parole au-dessus de toute autre idée ou opinion. Épargner ou écarter tes propres paroles, tes propres idées, tes réflexions à toi, tes propos, ton orgueil. J'ai dit à tel, voici ce que je ferai. Si ceci arrive, voici ce que je ferai. Et cela est arrivé. Maintenant, tu penses à cela. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux ravaler mes paroles? Et sur la parole de Dieu,
Comment cela affecte ma personnalité? Comment cela affecte l'estime de soi et ma promotion personnelle? Voyons Ésaïe, chapitre 58. Ravaler tes paroles, écarter tes propres paroles. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores, ne t'honore pas toi, ne faisant pas ta volonté, ne suivant pas tes plaisirs, voyez ceci, en ne suivant point tes voies, ça c'est la sainteté. Nous discutons, l'autre amène une idée, ah je pense, l'autre dit, je sens, l'autre dit, je propose, et l'autre dit, je contribue mon idée. Et ça, ton tour vient, et tu dis, je ne suis rien, mon opinion n'est rien, mon désir, mes désirs ne sont rien. Le Seigneur de gloire, il est celui qui est important. Je préfère épargner mes propos et je vais considérer les paroles du Seigneur. En ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, et si par le passé, par orgueil, tu avais fait une déclaration et tu avais dit, dans ta famille, ma femme, voici là où je tiens, je suis le chef de cette maison. Si ceci arrive, ce n'est pas encore arrivé, mais si ça arrivait, voici ce que je vais faire. Et parce que tu veilles à ce que cette chose négative arrive, c'est arrivé maintenant. Si tu veux aller au ciel, et si tu veux retenir, maintenir les beautés de la sainteté, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois te rappeler ce que tu avais dit avant, maintenant. Puisque tu l'avais dit avant, tu as lu la Bible, tu es venu à la retraite, tu es venu à l'étude biblique, et tu as vu que ce que tu avais dit est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Si tu veux être saint, demeurer saint, qu'est-ce que tu feras? Tu vas ravaler tes paroles et tu dois écarter tes paroles. C'est la même chose dans la famille de Dieu. Tu es un pasteur, tu es un dirigeant. Tu avais menacé. Si ceci arrive, et tu l'as annoncé même au micro, et tout le monde l'a entendu. Si ceci arrive, voici ce que je veux faire. Et tout le monde sait-tu. Et cette chose ne s'est pas encore arrivée, ne s'est pas produite pendant un moment. Maintenant, c'est arrivé. Et tu lis la parole de Dieu et tu as vu que ce que tu avais dit, tu l'as dit dans la chair. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas continuer et dire, ah, je l'avais dit. Tout le monde m'a entendu. Et ils observent pour voir ce que je vais faire maintenant. Si je ne fais pas ça, ils vont penser que je suis faible. Il vaut mieux être faible pour aller au ciel que d'être fort, têtu, et aller en enfer. La sainteté implique que tu vas ravaler tes paroles si ces paroles ne sont pas en accord à la parole de Dieu. Épargne, écarte tes paroles. Le S, chercher le Seigneur en toutes choses, en tout temps. Cherche le Seigneur. Matthieu au chapitre 6, verset 33. En Matthieu chapitre 6, verset 33. Voici ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les beautés de la sainteté,
l'humilité devant Dieu, l'obéissance à sa parole, vivre seulement par sa parole, s'identifier à sa croix, neutraliser les pensées négatives, estimer sa parole, écarter ses propres paroles, chercher premièrement le Seigneur. Et je prie que cette beauté de la sainteté, ces ornements de la sainteté soient dans nos vies. Vous dormez, c'est ça? Faites-moi une faveur. Est-ce que vous allez me faire la faveur? J'ai dit, est-ce que vous me ferez cette faveur? Vous le ferez? Toutes ces beautés, ornements de la sainteté seront dans ma vie personnelle au nom de Jésus. Ce sera dans ma vie. Tous ces ornements, beautés de la sainteté seront dans ta vie permanemment au nom de Jésus. Nous serons tous saints. Ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Dans les beautés, avec les ornements de la sainteté, depuis l'aurore, tu... Troisième point maintenant, la percée d'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. Psaume 110, je vous lis le verset 4. L'Éternel a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et continue dans le Seigneur à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Si l'exaltation de Christ, la promotion de Christ, l'ascension de Christ à la droite de Dieu, le Père, si cela a fait quelque chose pour nous, c'est que cela a annulé les particularités de la dame déchue. Et cela a introduit l'habitude centrale du Fils de Dieu, le dernier Adam. Cela nous a donné cette qualité de caractère d'honnêteté. En Hébreux, chapitre 13, verset 18. Hébreux, chapitre 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. En toute chose, Christ est entré et Christ nous a purifiés. Christ a ôté ce vieux caractère de la dame a déchu et nous a donné comme don la nouvelle nature de Christ, le dernier Adam. Maintenant, nous sommes bien disposés en toutes choses à vivre en toute honnêteté. Comment? Verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Et fasse en vous, en moi, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est cette honnêteté qu'il implante dans nos cœurs et qui rend la parole fructueuse dans nos vies. En Luc chapitre 8, verset 15. Luc 8, lisons le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux
qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, vous écoutez la parole et vous la recevez dans un cœur honnête. Il dit, ayant entendu la parole, gardez-la, la retiens et porte du fruit avec persévérance. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu n'es pas honnête, tu peux la mettre de côté, la lancer par les épaules, la jeter la personne qui est derrière toi là-bas, la lancer à ton épouse, la jeter à ton mari. Et tu peux même regarder autour de toi. J'espère que tel entend ce message. Hein. Ce message-là, c'est pour lui. Ce message-là, c'est pour elle. Tu n'as pas un cœur honnête. La parole de Dieu ne t'atteint jamais, ne te touche jamais. C'est toujours pour telle ou telle autre personne. Si tu as un cœur honnête et tu écoutes la parole de Dieu, tu dis ça c'est vrai. J'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de la transformation, j'ai besoin d'une transformation, d'un changement. J'ai besoin de la touche du ciel par rapport à tel domaine. Tu es assez honnête pour accepter. En Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça, c'est le caractère que le Seigneur est venu accomplir en nous. Pour que nos vies avec tout le monde, nos comportements avec tout le monde, notre interaction avec tout le monde, à la qualité de la nature d'honnêteté dans la vie de Christ. Chapitre 13, verset 13. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement. Quand aucun croyant n'est là pour nous voir, marchons honnêtement. Ma soeur, quand ton mari n'est pas avec toi au bureau, marchons honnêtement. Mais mon frère là-bas, quand ton épouse a voyagé et allé voir ses parents, et t'es beau, et tu es le seul qui est resté dans la maison avec les domestiques, marchons honnêtement. Quand tu rends les comptes et ta société te fait tellement confiance, tu es chrétien et on n'appelle jamais des auditeurs. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Dans le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 21. 2 Corinthiens 8, verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien. Nous recherchons ce qui est bien. Est-ce que tu vas faire la retraite dans ta localité? Est-ce que tu fais la retraite des ouvriers? Et on te dit de faire un budget. Voici le nombre de personnes qui vont venir. Et nous devons les nourrir. Et tu fais le budget. Recherchons ce qui est honnête. Tu n'augmentes pas. Tu ne rends pas le budget élastique. Tu n'ajoutes pas des choses qui sont pour ta poche personnelle. Recherchons ce qui est honnête. Non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Chapitre 13 de 2 Corinthiens, verset 7. 2 Corinthiens 13, 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais nous ne cherchons pas des recommandations, mais afin que vous pratiquiez ce qui est honnête, ce qui est bien. Nous pratiquions ce qui est honnête à tout moment. Les paroles de ta bouche, les actions de tes mains, le fait même que Christ est allé
s'assoit à la droite de majesté en haut, et qui t'a conduit dans le royaume pour que nous pratiquions ce qui est bien honnête. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Sois honnête. Pour que l'enseignement de la parole de Dieu, les doctrines de la parole de Dieu, les anciennes bonnes anciennes, les choses qui nous sont confiées, qui nous sont délivrées par les saints qui nous ont dévancés dans toute la Bible, que nous ne fassions rien contre la vérité, mais que nous demeurons dans la vérité. Et tu vas demeurer au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, lisons le verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, pas bruyant, ne soyez pas fripant, ne soyez pas frivole, ne soyez pas désordonné. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, verset 12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, qui sont au dehors, et ceux qui sont dedans aussi, et que vous n'ayez besoin de personne. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, une conduite honnête. Vous connaissez les parents, les païens du moins, les hommes incroyants. Vous connaissez les blagues sales qu'ils... Mais toi, ta conduite est honnête. Tu vas te coiffer chez ton coiffeur. Et dans chez le coiffeur, tu sais les histoires qu'il raconte. Et les blagues qu'il donne. Les choses insensées qu'il dit. Mais toi, chez le coiffeur, tu es honnête. Tu vas au salon pour faire tes cheveux, sœur. Tu sais comment elle blague, vous savez de quoi elle parle. Connaissez le vocabulaire. Vous savez ce qu'elles disent. Et toi, tu es enfant de Dieu. Que votre conduite soit honnête parmi les païens, afin que là même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Qu'est-ce que j'ai entendu en amen là-bas? Que le Seigneur l'implante dans ta vie et toutes ses qualités seront implantées dans ta vie au nom de Jésus. Avant de prier, Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ne t'implique jamais dans une affaire malhonnête, dans une administration malhonnête, dans une politique malhonnête, dans une action malhonnête, dans un comportement malhonnête, frère. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu, et comme vous le pratiquez, comme vous obéissez à la parole de Dieu, le Dieu de paix sera avec toi. Le Dieu de puissance sera avec toi. Le Dieu de toute possibilité sera avec toi. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, au nom de Jésus. Le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te revêtir de puissance.
et le Seigneur t'amènera à accomplir tout ce qu'il a planifié pour ta vie au nom de Jésus. Ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Est-ce qu'il y a des gens bien disposés ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la bonne volonté ce soir? Le peuple de Dieu aura la bonne volonté de prier. Le peuple de Dieu sera bien disposé à faire la volonté de Dieu. Le peuple de Dieu sera disposé à avoir plus de grâce, à grâce abondante dans leur vie. Ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Avec les ornements de la sainteté, depuis l'aurore jusqu'à... Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Lève-toi et que le Seigneur renouvelle ta jeunesse aujourd'hui. Renouvelle ta force aujourd'hui. Et que la bonne volonté et la beauté de la sainteté que nous avons étudiée ce soir, que cela soit dans ta vie. N'aie pas l'air fatigué. Prie. Et le Seigneur va enrichir ta vie davantage au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur.